slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube en recopie vidéo. Je vais vous montrer comment depuis Facebook on va pouvoir désactiver temporairement son compte. Donc vous allez sur l'application Facebook ou sur un navigateur sur votre ordinateur, vous tapez facebook.com et une fois que vous êtes connecté, vous allez dans les paramètres. Donc moi c'est le menu en bas à droite. Vous allez tout simplement descendre dans paramètres et confidentialité, puis paramètres. Et ensuite, vous allez sur informations personnelles et ce compte, propriété contrôle du compte tout en bas. Et là, vous avez désactivation et suppression. Vous cliquez dessus et là, soit on le supprime, soit on le désactive. Et c'est notre cas, on va poursuivre la désactivation du compte. C'est-à-dire que là, vous allez le désactiver et quand vous voudrez le réactiver, tout simplement, vous aurez juste à vous connecter sur Facebook, ordinateur ou mobile et ça réactivera automatiquement votre compte. Donc moi, je vais mettre c'est temporaire, je reviendrai, continuer. Ici, il nous demande si on préfère pas se déconnecter. Nous, ce qu'on veut tout simplement, c'est réactiver notre compte seulement quand on le voudra. Continuer. Sur cette page, on nous indique que le compte Facebook sera bien désactivé une fois qu'on aura cliqué sur le bouton bleu ici « Désactiver mon compte ». En revanche, Messenger, qui est une application de Facebook, mais à part, eh bien, continuera de fonctionner normalement. Vous pourrez toujours recevoir et envoyer des messages et vous apparaîtrez aussi toujours avec votre nom et prénom dans la recherche Messenger si quelqu'un veut vous envoyer un message. Donc, si vous voulez supprimer Facebook, vous êtes sur la bonne vidéo. Par contre, si vous voulez supprimer temporairement Messenger, j'ai fait une vidéo dédiée qui vous montrera comment le désactiver. Pareil, temporairement, vous pourrez le réactiver à tout moment. Donc là je poursuis pour les notifications Facebook, et bien vous voyez je clique sur ne plus recevoir les notifications et désactiver mon compte. Et ici vous voyez sur cette nouvelle page désactivation du compte réussi. Et ensuite à tout moment vous pouvez réactiver votre compte, vous allez sur l'application Facebook ou sur le site Facebook et vous allez tout simplement vous connecter, donc vous tapez votre adresse mail, votre mot de passe et vous avez directement votre profil qui recharge comme avant. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde!